L'arbitre a pris la décision et c'est penalty, penalty, let's go penalty, le penalty, le penalty, penalty pour le PSG, allez. Allez, penalty. Allez, Kylian. L'arbitre qui parle avec le gardien toulousain. Ah, il a fini. Il vient parler avec Mbappé. Allez, ça y est, Mbappé est placé. Mbappé est placé, il y a des lasers verts dans sa tête. Il y a des lasers verts, c'est pas grave. Allez, l'arbitre est en train de parler avec les joueurs derrière la surface. Il a fini. Il a sifflé, c'est quand il veut. Mbappé, il s'élance, Kylian, c'est frappé. Et c'est dedans. Et c'est dedans. Le golazo. Le golazo. Le penalty transformé pour le PSG grâce à Kylian Mbappé. Goal. Et il vient célébrer avec les ultras. Kylian qui vient célébrer avec les ultras derrière. Oui, Kylian, c'est ça qu'on veut. Il y a Sam Lu qui dit « Je sens que certains vont râler ». Non, bah, il accroche pas, de toute façon. À un moment donné, on l'a tous vu. Le ralenti, il accroche pas, de fin. C'est tout. Si tu veux dire. Il est léger, mais croche pas quand même. Allez, Mbappé qui prend son élan, le stade qui siffle. Je vous rappelle qu'on est à l'extérieur. Et il y a les lasers, il y a tout ce que tu veux. Mais c'est pas grave, il en a vu d'autres. On est toujours à 0-0, l'heure de jeu est passée. De toute façon, c'est les provocations, hein. Il n'y aurait pas eu de pénalty avec les autres. Et c'est le but. Chat 1-0 pour Paris, but d'Mbappé Tard qui est parti célébrer avec Dembélé, Skriniar et les autres devant le parcage parisien, devant les supporters parisiens qui ont fait le déplacement. La foudre Mbappé, Mbappé qui s'élance, c'est le but et le golazo de Kylian. Sur penalty, les amis, incroyable, il vient juste de rentrer. Kix qui fait le retour avec les ultras parisiens. Déjà un but pour lui. Et voilà, Mbappé, il est. La tension énorme pour un penalty pour lui. T'imagines la tension? Imagine la tension énorme pour lui. Imagine la tension énormissime pour Mbappé quand même. Mine de rien, on a beau dire, mais avec tout l'afflux des nerfs qu'il y a eu pendant ce mercato et tout. Il y a penalty. Il a puce à l'oreille ou là. Yes. Penalty. Penalty, je vous ai dit, bordel. Bah ouais. Eh oui, mon ami. Penalty accordé. Eh ouais, voilà. Aïe. On espère le but là de Mbappé. Coup de sifflet de l'arbitre, penalty, Mbappé qui s'élance. Et c'est l'ouverture du score côté gauche. Voilà, 1-0 pour le Paris Saint-Germain contre le Toulouse. Voilà, le premier but de la saison, premier but de Kylian Mbappé. Voilà mon ami, eh oui mon ami. Voilà, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et en plus, c'est une faute qui a été provoquée par Kylian Mbappé. Oh la barre! Oh les mecs! On la voir. Oh, oh, oh les mecs. Oh, vous savez quoi? Oh les mecs. Oh les mecs. Oh les mecs. Regardez ce que je vais afficher. Regardez ça les mecs. Look. Regardez ça les mecs. Oh là 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 là. Entre sec. Ici c'est. Ah oui, attention, Mbappé qui marque, feu littéral les mecs, Mbappé les mecs, incroyable, penalty,
C'est Hakimi, les gars. C'est Hakimi qui retient Aboukrar. C'est Hakimi qui retient Aboukrar. Et l'arbitre attend la VAR, mais Hakimi tire le bras d'Aboukrar dans la surface alors qu'il n'y a pas de danger. Mais pourquoi ? Mais il n'y a pas de danger. Mais pourquoi tu fais ça ? Il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il n'y a pas de danger. Il tire le bras d'Aboukrar. Il n'y a pas grand-chose. Il ne peut pas reprendre la balle. Oh là 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 là, c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Il lui a marché sur le pied, en fait. Il lui a marché sur le pied involontairement et il y a pénalty. Enfin, l'arbitre attend pour l'instant. L'arbitre attend, il lui a marché sur le pied involontairement, mais ça sert à rien. Et ça part de qui, de Soler, les gars? Parce que les corners, c'est à cause de la passe de Soler, faut s'en rappeler aussi. Voilà, voilà Soler. Voilà Soler. Voilà Soler. Et la décision est prise, pénalty. Pénalty, les gars, pénalty. Allez, Didjo, maintenant on compte sur toi. L'arbitre parle avec Donnarumma, l'arbitre a sifflé. C'est quand il veut Aboukrar. Allez, Aboukrar face à Donnarumma, il s'élance. C'est frappé. Et c'est dedans. Aboukrar égalise. Soler. Voilà Soler. Voilà Soler. La passe en retrait de merde de Soler. Corner, pénalty sur le corner. Oh, il a perdu sa godasse. Il a perdu sa godasse tout seul. Penalty, mais quel penalty? L'arbitre qui siffle penalty pour Toulouse. Il a perdu sa godasse. Mais il a perdu sa godasse tout seul. Attends. Remets-moi le ralenti. Ah, il lui a marché sur le talon dans la surface. On peut rien dire. Il lui a marché sur le talon. Carton jaune en plus. Carton jaune pour Hakimi. Grosse discussion avec l'arbitre. Penalty. Donnarumma, c'est le moment. Donnarumma, t'as pas bossé depuis le début de la saison. Attends, il y a penalty ou il y a la VAR? On revoit. Ah, Hakimi, sans faire exprès, elle lui marche sur le talon. Ils sont dans la surface, il y a contact. Et Mbappé qui est parti check Donnarumma, l'air de dire, c'est à toi de jouer, poteau. Oh, Donnarumma, il a pris un jaune. Donnarumma, il a pris un jaune. Pour contestation. Donnarumma, il a pris un jaune, les gars. Le Toulousain qui a posé le ballon dans la surface, qui attend que l'arbitre siffle. C'est le numéro 7 toulousain qui va frapper. L'arbitre a sifflé. Et c'est le but d'Aboukrar, je ne sais pas comment on dit. Le Marocain toulousain qui égalise pour Toulouse. Légalise pour Toulouse. C'est dommage, il reste pas beaucoup de temps. Mais il y a peut-être moyen